Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre fidélité à ce programme spécial consacré aux festivités du trentenaire du ministère chrétien du combat spirituel. Festivités qui sont marquées par la 13e convention mondiale de la CFMC et le 5e symposium du Centre Péniel mondial. Nous sommes donc en train de glorifier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Nous témoignons de l'impact que ce message du combat spirituel a produit dans nos vies. Dans ce numéro de votre émission, nous allons nous rendre au siège de la Fondation Olangi Wosho des Lyons en France pour vous parler de l'expérience d'une messagère de Jésus qui est venue avec son époux marié au ministère. Ils se sont donc séparés au ministère et ils se sont remariés au ministère. Tout ça, ce sont les effets des origines. Et donc nous recevons avec joie notre maman Julie Madouda. Maman Julie, shalom. Shalom, Père Christophe. Promotion Babanaye Soudé Kinshasa, mariée et mère des deux enfants. Vous êtes donc au niveau de M13, au siège de Lyon. Vous avez donc vécu là une expérience de restauration de foyer, une expérience assez riche que vous allez donc partager avec nous. Dites-nous d'abord comment se passe votre participation à cette festivité de 30 ans. La participation avec le 30e anniversaire là, c'est moi j'ai dit à Dieu c'est pour moi. Je suis venu rendre la gloire à Dieu, l'action de grâce pour tout ce que Dieu a fait pour moi, pour mon mariage, pour mes enfants. C'est pour cela que je suis venu pour ça. Mm-hmm. Je suis contente vraiment, les dieux de papa et maman Langui. Il est bien, il est bien, très bien pour moi. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis venu ici pour rendre l'action. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà reçu par rapport à votre participation à ces festivités? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait à ce stade ici? Par la participation du 30e anniversaire, là, je commence d'abord pour le voyage. Mm-hmm. Je suis bien voyagé. Malgré il y avait des complications, mm-hmm. mais Dieu a fait de grandes choses, j'ai bien voyagé. Jusqu'ici, à l'aéroport, j'étais moi bien accueilli. Mmh. Jusqu'ici, en tout cas, Dieu de papa et maman Languilebo. Mmh. Je suis contente. Mmh. Tout ce qui se passe ici, okay. Je suis vraiment contente. Et comment est le séjour de toute la délégation de Lyon? Le séjour de la délégation de Lyon, ça se passe bien, à la grâce de Dieu. Mmh. Ça se passe bien. Alors, vous avez vécu l'expérience de la restauration de foyer avec Papa Guy Madouda, qui est aussi au ministère. Dites-nous, ça s'est passé comment? Moi et mon mari, que j'aime beaucoup, Papa Guy Madouda, que j'aime beaucoup, il n'est pas venu, il est à Lyon. Mm-hmm. Je parle de la restauration de mon mariage. Parce que dans mon origine, je parle de la condamnation d'abord de ma famille. Dans notre famille, le mariage est difficile. Tu vas te marier comme ça par après 2 ou 3 ans, la séparation. C'est ça le but. C'est ça le but de... Tu dois t'arriver au ministère. Oui, c'est ça le but. Que j'étais venu au ministère pour ça. Pour détruire les condamnations, pour détruire le lion et le serpent de nos familles. Moi et mon mari, on s'est rencontrés bien. C'est moi qui l'ai mené au combat. On s'est rencontrés bien. Vous l'avez amené au combat à Kinshasa ou bien à Lyon? À Lyon. À Lyon, ok. Mm. Nous sommes en quelle année comme ça? C'est à l'année 2004. Vous venez avec papa? Oui, oui, combat. Oui. On était vraiment un couple, vraiment... je ne sais pas comment je vais dire. Beaucoup du monde nous appréciait, mais... Et comme il y avait la condamnation de nos familles de célibat, je ne peux pas rester longtemps dans le mariage. On était bien avec mon mari. On s'est marié, il a donné la dot. C'était resté que le mariage religieux. On était bien. Moi, j'étais rentré un peu en distraction. J'étais vraiment en distraction. Ça veut dire quoi, vous étiez rentré en distraction? Ça veut dire quoi? J'étais vraiment pas assez dit dans le prière. La distraction de... Je ne partais pas à prière, je ne priais pas comme une fois à la maison. C'était vraiment... C'est tout. Moi, je vois que c'est la condamnation de ma famille qui m'a dominé. C'est pour cela qu'elle m'a conduit dans les mauvaises
route là. Mmh. Mon mari était parti. Moi-même, j'ai chassé mon mari. Oh, attendez, attendez. Vous chassez votre mari de votre toit conjugal? Oui. Qu'est-ce qu'il avait fait? Rien. C'est la condamnation. C'est la condamnation qui m'a dominé à moi. Bon, parlez-nous un peu de ce jour-là où vous le mettez à la porte. Ça se passe comment? C'était difficile. Moi aussi, c'était difficile. Vraiment, je ne vivais pas bien. Là-bas, là, je ne vivais pas bien. J'avais parlé à Papa Kandolo et Maman Kandolo. Ils ont dit, Maman Julie, retourne, rentre à profondeur. Dieu va faire. Maman Julie, expliquez-nous un peu, ça s'est passé comment? Il y a eu dispute? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez à papa de sortir? Il y avait une dispute. Quand elle lui parle, moi je ne suis pas contente avec ça. J'ai dominé mon mari. Mm. Voilà. C'était comme ça, mon mari ne veut pas comme ça. C'est pour cela, ça fait comme ça là, il est parti. Je l'ai chassé, je lui ai dit que je ne veux pas de toi, tu peux partir. Il a dit non, tu es ma femme, je ne pars pas, moi tu vas partir. Après, ça me fait très, très mal. Ça m'a fait très, très mal. Alors, là, qui sort ses effets? C'est lui-même qui les sort? C'est moi qui l'ai chassé. Je lui ai dit que tu pars. Je ne veux plus de toi. Et puis, vous êtes rentré, vous avez pris tous ses bagages. Il a pris tous ses bagages. Il est parti. Il est parti où? Il est parti se débrouiller. Il est parti se débrouiller. Alors, vous le chassez comme ça après combien d'années de mariage? Après, c'était à 2000. C'était à 2004 jusqu'à 2000, si je mets à 2000, c'était 4 ans de séparation. Non, avant que vous le chassiez, vous avez déjà vécu ensemble pendant combien de temps? Pendant 6 ans. Après 6 ans? 6 ans. Un beau jour comme ça, vous mettez votre mari dehors. Oui. Alors, vous le chassez et après, vous réalisez que vous avez bien fait? Non. Après là, quand il était parti, les mêmes jours là, j'ai resté. Moi, j'ai dit, pourquoi j'ai fait comme ça? Je lui ai dit, papa Tony m'a supplié. Il a dit, moi, je ne peux pas faire comme ça. Tu ne fais pas comme ça. Il a appelé mon mari. Mon mari a dit, moi, je veux ma femme, je vais retourner. Ma papa Tony m'a appelé. Moi, j'ai dit, non, je ne vais pas. Il faut qu'il parte. Il part, il est parti. Vous avez dit non à votre encadreur spirituel? Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Papa Tony m'avait dit, Maman Julie, c'est pas toi. Moi, je te connais bien, c'est pas toi. C'est la condamnation de ta famille. Il faut que tu entres en profondeur. Que tu entres en profondeur. Il m'avait bien soutenu avec sa femme. Alors, que je l'aime beaucoup. Ok, alors, comment vous êtes rentré en profondeur alors? J'ai rentré en profondeur. Papa Tony m'a donné des versets bibliques. Il a dit, Maman Julie, prends les versets bibliques là. Tu entres en profondeur, tu commences à faire les quarantaines chez toi. J'ai entré dans les quarantaines, j'ai pris beaucoup de révélations. Des révélations, là, ça m'a bouleversé. J'ai entré encore à la profondeur. Dans la profondeur que j'ai rentré là, je me suis retrouvé, j'ai deux sexes. J'ai deux sexes. J'ai parlé à papa, tu m'as dit, toi, tu as deux sexes. Comment tu peux rester en mariage? Tu es femme, tu es homme. Comment tu peux rester en mariage? C'est là qu'il faut rentrer encore à la profondeur. J'ai entré encore en profondeur. Ils ont proposé le 25e anniversaire, je suis venu. Moi, j'ai dit, je viens pour que Dieu restaure mon mariage. Mon but, c'est ça. J'étais venu à 25. J'ai dit, Dieu, restaure mon mariage. J'aime mon mari. Mon mari, c'est même, mais comment j'ai séparé avec mon mari? Alors, dans ce temps-là, 4 ans de séparation, vous n'aviez pas peur que papa Guy prenne une autre femme? Elle est partie, il est parti, excusez-moi. Il est parti, il a fait... Sa vie. Il a fait sa vie. Avec une autre femme? Avec une autre femme. Dans la même ville de Lyon? Dans la même ville, oui. Qu'est-ce que ça vous faisait? Ah, moi j'ai entendu ça, j'ai dit que Dieu pardonne-moi. Pardonne-moi. Il a fait l'enfant là-bas. Oui, il a fait l'enfant. Vous aviez mal, hein? J'avais trop, trop mal. Ça m'a fait trop, trop, trop mal. Alors, dans l'entretemps, papa Guy continue à venir au ministère ou bien lui aussi quitte le ministère? Il est venu un jour au ministère. Une fois, au ministère, là, dimanche. Après, il est retourné, il ne vient pas. Il ne vient pas.
Après là, je continue mon quarantaine. Dieu m'a révélé que c'est ton mari. Quand la rentrée de 6, 25, je suis rentré, j'ai entré encore en profondeur de quarantaine et plaira à Dieu. Ici à Kinshasa, pendant les 25 ans, oui. Dieu vous a dit que oui. Papa Guy est votre mari. Oui, moi, mon mari. Je suis retourné, j'ai dit à Maman Kandolo, Maman Kandolo m'a dit, Maman Julie, tu entres encore en profondeur, entre, Dieu va faire. J'ai entré en profondeur encore. La quarantaine, c'est comme d'habitude, quoi. J'ai rentré en profondeur. Je vis un rêve. Mon mari vient vers moi. Lui aussi, là-bas, il a vu que je viens vers... Vous alliez vers lui. Oui, vers le lui. Même jour. Le même jour. Alléluia. Oui, viens vers lui. Ah, moi, j'ai dit comment je vais faire. Moi, j'ai fait les signes. J'ai fait encore 3 jours. Moi, j'ai dit 3 jours de jeûne. Je me suis, mes enfants, ils sont partis à l'école. Moi, j'ai dit, quand vous venez à l'école, vous mangez, moi, je suis à la chambre. Personne ne me dérange. J'ai fait 3 jours. Moi, j'ai dit, Dieu, j'ai fait les signes. Dieu m'a donné les signes. Le deuxième jour, mon mari, il a appelé. Il a appelé mon fils. Il a dit, est-ce que je peux venir pour vous amener au McDo? Mon fils a dit, oui. Je peux venir. Pendant ce temps-là, avant que vous ayez cette révélation-là, est-ce que papa était en contact permanent ou en contact avec vous de temps en temps? Non. Il n'avait jamais appelé? Jamais. Ni demandé de nouvelles des enfants? Non. Mais ce jour-là, au deuxième jour de votre jeûne, quand vous demandez à Dieu de vous donner un signe, papa appelle? Papa appelait parce que moi j'ai demandé un signe à Dieu. Moi j'ai dit, Dieu, donne-moi un signe avant que j'ai fini mon troisième... Alléluia. Oui. Deuxième jour, il a appelé mon fils. Oui. Il a dit, est-ce que je peux venir pour vous chercher, pour aller au McDo? Il a dit, pas de souci, vous pouvez venir. Quand il était venu là, il a dit, où est ma maman? Et votre maman, elle est où? Il a dit, maman, elle est à la maison. Il a dit, est-ce que je peux monter? Il a dit, monte ou monte? Il a monté. Il a dit à mon fils que tu appelles maman. Moi, je suis venu. Est-ce qu'on va aller au McDo avec gentillesse? Est-ce qu'on va aller au McDo ensemble? Là, vous, en plein jeûne, hein? Deuxième jour de jeûne. Oui, il a dit, est-ce qu'on va aller au McDo avec moi, avec nous, on part, au McDo, on va manger. Moi, j'ai dit, bon, attends, j'ai rentré, j'ai fait une prière. Moi, j'ai dit, Dieu... C'est fini le jeûne. C'est fini. Moi, j'ai dit, Dieu, j'ai demandé un signe. C'est fini, j'ai glorifié Dieu. On est parti. Quand on est parti, parce qu'on n'avait pas fait les mariages religieux. Quand on avait parti, c'est fini là. Nous, on rentrait. Lui, il est parti chez là où il habitait. J'ai dit à papa, à mon papa Kandolo, j'ai dit, j'ai fait les jeûnes, mon mari est venu à deuxième jour. Il a dit, c'est ça ma Gilles. Moi, je voulais ça. Est-ce que tu as fait quoi? Amen. Moi, j'ai dit, non, t'es parti. Un bon signe. Il m'a dit, c'est le bon signe. Depuis là, après 2 jours, il est rentré. Il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Avec ses effets? Oui, il est rentré à la maison. Il a abandonné cette femme-là avec l'enfant? Il a abandonné cette femme. Elle a dit à cette femme-là, moi, je rentre chez moi. Je vais chez moi. Sa femme l'a dit, je rentre chez moi. Pas qu'il souffre. Les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. Donc, après 4 ans de séparation comme ça, vous voilà réconciliés. Et puis, vous vous mariez en bonne et due forme par la suite. Oui, on était mariés. Je retourne un peu. Elle a retourné. Après 3 jours, elle a retourné à la maison. Elle a dit, j'étais partie. J'ai fait un enfant. Tout. Est-ce que tu vas accepter mon fils? Moi, j'ai dit oui. C'est mon fils. Amen. Oui, moi j'ai dit, c'est mon fils. Amen. C'est mon fils. Il vient chez nous le week-end, et puis le vendredi, le dimanche, il rentre. J'ai pris, c'est mon fils. Amen. Beaucoup ne savent pas que c'est l'enfant de mon mari. Je le ramène au veillée, je le ramène en retraite, je le ramène à l'intercession, tout. Mais beaucoup. Après là, mon mari a dit, après 5 mois, il va dire, je vais t'honorer. Amen. Il faut que je t'honore. Moi, j'ai dit, on va faire le mariage. Alléluia. Oh, le Dieu de Maman Lingui. Oui, il est parti avec, chez Papa Kandolo. Il a dit, on va se marier. Hein? On va se marier. Les dates.
Donc, on m'a donné les dates. Il était un mois. Hein? Un mois. Papa, on a fait le mariage. C'était bien passé. C'était un bon témoignage. Mariage civil, mariage religieux. Oui. On a fait. Quand on était séparés, on n'a pas fait le mariage religieux. Il a dit que je veux t'honorer, tu es ma femme. Amen. Ouais, on avait fait le mariage là, c'était très, très, très beau. Oh passé. Là là, oui. Oh là là. C'est pour ça que je suis venu pour rendre des actions de grâce à mon Dieu, de Dieu de papa et maman Langui. Moi, je dis souvent, je suis tsunamite. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Parce que le Dieu de papa et maman Langui, il a fait des grandes choses pour moi. Il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de témoignages. C'est pour ça que je suis venu pour l'action de grâce à Dieu de papa et maman Langui. Maintenant, papa Guy Madouda est pleinement engagé au ministère. Est engagé. Moi, je suis ici. Lui, il est là-bas. Il est plus engagé que vous? Maintenant, je vais dire c'est bon. Je dirais c'est bon. Alléluia. Maman Candole m'a appelé. J'étais avec, avec Dieu ton mari. Bon, hein. Dieu est bon. Ouais, j'ai dit, Dieu bien. Est bon. Avec les Jésus enfants, a vaincu la condamnation au célibat. Voilà. Jésus a vaincu la condamnation au divorce. Amen. Alors, quelle est la principale leçon que vous avez tirée de cette expérience-là? La leçon que j'ai triée, moi je ne peux pas divorcer. Je ne peux pas. Si il y a les hauts, les bas, les complications, je vais rester dans mon mariage. J'ai beaucoup souffert. Vous n'avez plus jamais chassé Papa Guy? Jamais, jamais de ma vie. jamais de ma vie. Je suis souffert, mais mes enfants ils disent c'est toi, maman, qui as chassé papa. C'est, tu as fait mal, tout. Et des semaines là, mes enfants ne parlaient pas. Me donner le dos. Moi, j'ai dit, on va prier, c'est pas moi. C'est la condamnation de ma famille. Quand tu te maries comme ça, après 2, 4 ans, 5 ans, c'est la divorce. Qu'est-ce que vous faites alors pour que vos enfants ne répètent pas votre histoire? Cet aspect-là négatif de votre histoire. Moi, je parle souvent avec mes enfants, je montre l'origine, les condamnations de ma famille comme ils sont. Je dis beaucoup à mes enfants, il ne faut pas porter ce que moi j'ai fait, ce que moi j'avais fait. Moi, j'ai fait que j'ai fait que vous choisissez Dieu de papa et maman langue jusqu'au bout. Amen. Mes enfants sont engagés là-bas. Amen. Oui. Ouf! Mesdames et messieurs, je suis convaincu. Nous sommes convaincus que vous avez trouvé votre part dans ce témoignage de restauration de mariage de notre maman Julie Madouda. Jésus-Christ a gagné. N'est-ce pas qu'il est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient? Maman Julie, merci d'avoir partagé avec nous... ce témoignage éloquent de restauration de foyer. Bonne fête des 30 ans à vous. Merci, Papa Christophe. Que Dieu te bénisse. Vous bénisse aussi. Merci. Bonne beaucoup. Fête des 30 ans à tous les chrétiens combattants de France, particulièrement à ceux du siège de Lyon, avec à leur tête le couple Candolo. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Bye bye.